Salut, on se retrouve sur un nouveau let's play encore une fois pour la période d'Halloween parce que c'est un jeu qui fait peur. On est donc sur Amnesia Rebirth. Alors, à ma grande surprise, en fait, je vous ai jamais fait d'Amnesia sur la chaîne. Donc j'avais dû commencer une fois à tourner Dark Descent et j'avais jamais dû vous sortir le truc parce que ça me parle. Alors commencer à tourner. Mais c'est des jeux que j'aime bien, moi, les Amnesia. C'est des jeux que j'ai jamais eu l'occasion de faire seul, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas les jeux d'horreur qui m'ont le plus marqué. Même si Dark Descent avait un truc, c'était bien glauque par pas mal de moments. Et l'histoire de Machine for Pigs, d'accord. De mémoire, c'était quelque chose. Donc bon, on est parti pour Amnesia Rebirth. Tout cas, y a l'air d'avoir une ambiance. Ça promet, hein. Déjà, on ne joue pas à ce jeu pour gagner. Immergez-vous dans son univers et son histoire. La peur et l'obscurité sont vos ennemis. Ah. Comment ça, la peur est mon ennemi? La peur peut me permettre de prendre des bonnes décisions, non? Déjà, le jeu, ouais, ça commence avec, ouais, c'est pas fait pour gagner. Ah. Super. Ça va être un bon moment, je sens. There is a moment when you realize what the pain has made of you. In hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face. Acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh, I'd no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Sherry, him. Oh. Yasmin, get up here! Hello. Hello, sister. Algiers. Can anyone read me? Mayday! Mayday! This is Cassandra. Do you read? Okay, hold on. Celui-là était gratuit. Ok. Ok.
On va y revenir hein, sur ce qui s'est passé, notamment sur l'intro, qui me laisse penser, qui me laisse une interprétation actuelle en tout cas de ce que pourrait raconter le jeu. Don't forget. D'accord. Don't lose it. No. Come on. Oh. Find him. He must understand. Don't forget. It's her. It's all because of her. Focus. I am Tessie. I am still Tessie. Bon après, ouais. Ah, utiliser la souris. Ah oui, d'accord. Mais et bon, WASD, je me suis mis en QWERTY là, du coup. Maintenez, voilà. Ok. Allez, allez. Bon, rebirth, ça veut dire renaissance. Je prends la pilule. Ah, c'est peut-être censé symboliser la douleur. Vu qu'on vient d'avoir un petit accident. Oh, du laudanum. Oh non. Oh. Oh, ça me rappelle des souvenirs, ça. But you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassie? Ouais, je t'entends, ouais. Bon, comment on la boit? What happened? Where are they all? Where's Salim? Ok, ça y est, on joue. C'est bon, on peut jouer. Ok, alors on va en premier revenir quand même brièvement. Bah attendez, on va quand même prendre ça. I have to remember. Ok, je dois me rappeler. Elle va mourir. Alors qui est-elle? C'est la grande question. Trouver Salim. Elle mourra, oui, voilà. Trouve Salim. Pense bête, souvenir. On a les souvenirs du médecin. Ah, j'ai pas les... C'est dommage qu'on ait pas les souvenirs. Hein? Ah oui, non mais par contre, d'accord, on peut spoiler. C'est bien, mais... Ok. Alors déjà de deux choses. Déjà, on va faire ça. On va faire ça parce que c'est mon nouveau jeu maintenant. Hein, voilà, ouais. Voilà le nouveau décor, hein. Je sais pas si ça, sur Song of Horror vous l'aurez sûrement vu, parce que je pense que l'épisode sera sorti avant, l'épisode où je l'utilise pour la première fois, mais voilà. Ah oui d'accord, il y a eu un brouillard qui s'est affiché, c'est très bien. Alors, le but n'est pas de jouer sur cet écran, mais c'est juste que d'avoir un écran quand je parle et j'explique des choses, voilà, peu importe l'écran vers lequel je regarde une caméra. Bref, ah merde, les écouteurs. Ouais, la première cinématique, avec le discours qu'on a vis-à-vis de, comment ça s'appelle, un autre personnage, donc de Tissa, et par rapport à ce qu'elle dit sur le fait de, voilà, le temps est un voleur, il nous enlève nos souvenirs, etc. Mais il nous permet de guérir. Enfin, j'ai l'impression qu'en gros, ça peut éventuellement raconter tout ce qui est expérience de traumatisme. Et donc, comment tu t'en remets après, derrière, comment tu arrives à ressourire, comment tu te réintègres, etc. Mais en même temps, t'as quand même l'air d'avoir un petit truc avec le fait, ouais, je m'appelle Tissa, machin, donc est-ce qu'elle a pas subi une renaissance? Est-ce que c'est pas lié à un ancien amnésia aussi? Parce qu'il me semble que dans Dark Descent, justement, t'avais un délire autour de la renaissance. Non, c'est autour de l'immortalité. My bad. Enfin bon, je sais pas si ça peut pas être lié, justement. Mais bon, voilà. Et on va repasser sur la scène principale. Voilà. Et c'est bon. Donc, ouais, du coup, je me demande si voilà, si on n'aura pas une gestion du traumatisme. Tu peux prendre ça. Tu peux maintenir T enfoncé, hein? Non, mais j'ai pas eu... Ah, c'est d'accord, pour le... Faire tourner les objets. Super. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, après?
Ah ouais. Par contre, c'est vrai que ça, c'était bien. C'est vrai qu'Amnesia, c'était le jeu qui te permettait de faire ça. C'est un des premiers jeux qui t'a pas. Enfin. Non, peut-être pas le premier. Mais. La physique d'Amnesia. Hein. Putain, c'est la molette lorsque vous tenez. Oui. Quoi, tu. T'es en train de me dire qu'il y a un truc à faire avec ça? Non, y a que dalle à faire. Voilà. Enfin, peut-être qu'en vrai, si, hein, peut-être que je peux fouiller les objets, si j'appuie sur E. Non, c'est. Oh mon dieu, c'est Outlast. On peut se pencher. Oh, je veux que ça se casse. Je suis déçu. Je suis terriblement déçu. Je suis terriblement déçu. Docteur, I'm here. Non mais attends, mais prends ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Deauville. Super. C'est la bête. Oui, non mais j'arrive, c'est bon. Insupportable ces gens. Comment on sort de cet endroit? Ah oui, d'accord, ce sera par là. Salut. Hello. Hello. This is Tazi. Si j'active les bons. Déplacer la. Oui. Super. Ah d'accord, il donne pas plus d'infos. Ok, super, super, super. Aéroport Maison Blanche, plan de vol, passager 12, équipage 2, avion Cassandra, propriétaire Sterling Shipping, Londres, Grande-Bretagne, modèle Douglas DC-3, indicatif Cassandra, oui, donc le. Oui, ça s'appelle. Il s'appelle le Cassandra, j'ai compris. Pilote Nicolas Mason. Cahiers Soudan français via Insala, Algérie. Temps de vol estimé. Vol 1, 1h30. Vol 2, 7h. Ah oui, quand même. Quand même. Quand même. Il fait si chaud ici. Ouais. Ah oui. D'accord, c'est bon, on va sortir, j'ai compris. Interagissez tout d'abord avec. Déplacez la souris. Ah bah d'accord, oui. Ah ok. Table pour ouvrir l'inventaire. Au bordel de mort. Ah oui, d'accord. Ouh, ça a l'air complet. Je peux dessiner? Non, je peux pas dessiner. Bon, je prends ça, je sors, je l'utilise. Vous allez en jouer en main, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Faut ouvrir les portes et les récipients. Interagissez. Ah, attendez, je peux avoir? Bon, d'accord. Tant pis. Prendre un collier bizarre là. C'est quoi ce collier chelou? Attendez. On dirait une montre, mais déjà c'est pas. Enfin, à moins qu'elle soit gauchère, c'est pas la main pour la montre. Et. Ouais, ils sont tous. Soit ils ont été enlevés, ce qui me paraîtrait quand même plus probable, hein, parce que j'imagine mal le Sally et Salim partir. Salim ou Salem? Je suis un connard, j'aurais dû regarder quand même. Attendez, c'est facile. Salim, ouais, voilà. Oui, Salem, c'est une ville. Par contre, c'est quoi c'est. Enfin, parce qu'elle dit ouais, j'y étais, machin. Bah oui, t'étais dans l'avion. Mais du coup, tu parles pas de ce crash-là, j'imagine. Mais de quoi tu parles? Qui sont ces gens? Ah, le docteur. Renvoie notre ombre et tout. Stylé. Bah très bien, on est vraiment posé au milieu de nulle part, hein, visiblement.
Alors, désolé, hein, si jamais il y a des moments où je suis peut-être un peu absent. Je vous avoue que c'est un peu la maladie. Je vous avoue que c'est un petit peu la maladie qui s'est installée. Là, donc bon, mais j'avais envie de... J'ai envie de découvrir ce genre. On est foutu. Par contre, c'est quoi ces bruits? Pourquoi il y a des bruits de la maison, là? J'aime pas ça. Rester en plein soleil est une mauvaise idée, rester à l'ombre. Ah. Vous croyez que je vais mourir? Vous croyez qu'en fait, là, ce qu'on entend, c'est ma peau qui est en train de se dessécher complètement? Ouais. Bon là par contre je suis en plein soleil. Ouais voilà. Voilà là je suis à l'ombre. Wait, Hank. We have no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Salim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Donc on est déjà allé ici, en fait. Avec Salim. Non mais alors voilà, ça c'est un... non mais ça c'est ma spécialité hein, dans Amnesia, du coup vous l'avez jamais vu ça mais c'est vrai que j'aime bien moi dans les jeux où je peux faire ça, j'aime bien tout enlever pour vérifier qu'il y a rien. Attendez, c'est normal qu'on ait glissé comme ça. J'ai l'impression qu'on a glissé sur 100 mètres alors que vas-y reglisse. Les orties. Par contre, mon jean il est défoncé, c'est normal. Et c'est normal qu'elle marche comme si elle boitait. C'est-à-dire que c'est normal. Les grottes, vite trouver les grottes. Non, faut pas rester en plein soleil. Ça, j'ai compris. Donc, il faut courir. En tout cas, pour l'instant, ça commence tranquillement. Hein. C'est gentil pour l'instant. Pour l'instant, on est dans une ambiance quand même globalement assez ouverte. Après, ceci dit, c'est pas justement dans un désert qu'ils avaient trouvé l'espèce de boîte de Pandore là, enfin le truc dans, bah, pareil, toujours pareil dans Amnesia Dark Descent. Il me semble qu'à un moment donné, ils étaient à Alger, hein. Ou en Égypte peut-être. Ouais, j'ai un doute. Mais je sais pas. Je sais pas, après ça se trouve il y a vraiment zéro lien hein, entre les jeux. Mais je sais pas. Mais je suis clairement pas assez spécialiste du lore d'Amnesia pour en être sûr, malheureusement. J'essaierai peut-être de me renseigner entre les différents épisodes. Bon, les grottes là. On cherche des grottes. Pour l'instant tout va bien, on cherche des grottes. Par contre, il n'y a pas des animaux sauvages ici, il n'y a pas d'animaux dangereux, hein? But it's good, isn't it? People have been here. Salim, we'll be shot with salt instead of dying first, I agree. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. Ouais, il y a rien. Non mais au secours. C'est pas une gourde ça? Si c'est une gourde. Oh, there is a cave. Bah oui, il y a une grotte. Oh, elle l'avait pas vue. Merci. Bah oui, non mais elle... Oui, oui, il y a une grotte, oui. Au secours. Oh. Dearest Susan, dearest Alfie, the stories don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. The smells, the flavours, the colours, and oh, the noise. I may have picked you both up a little something. You never know your luck. All my love, always. Dad. Super. Bah, ok. C'est cool.
Bon, je l'ai pas relu dessus, il l'a lu. Écoute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Toutes les notes que vous avez trouvées sont répertoriées dans votre journal, vous pouvez y accéder en appuyant sur N. Carte postale. Ça, je pense que c'est d'une importance capitale. Non, après, si on entend parler d'une Suzanne ou Alfie... Rachael Holt, Rachael, on en a entendu parler dans les souvenirs, elle dit, il y avait ce nom qui était prononcé à un moment donné. Chargé des ressources humaines, papier. Alors, attendez, par contre, non. Rachel, she organized those lectures in London, and Charlie back at the Institute recommended her. Got a good head on her. I like her. No, don't you give me that look. Une bouffée d'air frais. Je dois remercier C de l'avoir recommandé. Elle fait son boulot bien mieux que je pourrais le faire. Il va lui falloir un peu de temps pour familiariser avec le paysage local. Mais c'est un début très prometteur. Espérons qu'elle pourra devenir un élément permanent pour de futurs voyages. En fait... Enfin, notre perso pourrait... Elle a un peu la même coupe, je trouve. Hein. Non? On dirait, hein. Je sais pas. Je sais pas s'il y a un lien. Parce qu'en fait, bah, du coup, moi, je vais être parano hein, de l'identité de notre perso, vu que, visiblement, elle dit « Je m'appelle Tissa », mais elle a pas l'air d'en être sur elle-même, donc, au cas où, pour l'instant, on n'a pas encore eu mention réelle de Tissa dans le truc du docteur. Oh, Tazi, look at her hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Ah oui, non, j'ai... D'accord. Hello, moi, sur le coup, j'ai cru que c'était ça, son enfant. Je me dis, mais... Non. Non. Ils auraient eu un gosse, du coup. Ensemble. Pour l'instant, c'est pas clair. Pour l'instant, je suis intrigué. Succès déverrouillé, amnésique. Très bien. Super. Je peux m'en aller? Non, je peux pas m'en aller. Ok, donc on a atteint une nouvelle zone. It's all right. I can manage. Come on. Not far now. Hello? Is anyone there? Salim! Pas l'air là, hein. Alice? D'accord. Faut, en fait, faut que j'arrête de regarder ça, hein, parce que c'est en train de me spoiler tout le jeu, j'ai l'impression. Donc on aurait rien raté. Ah oui, non, donc on ne serait pas la même personne que Rachael. Donc Alex Sterling, commanditaire de l'expédition. Richard Fairchild, j'imagine que c'est lui. Enfin, hein, voilà. Henry Hank Mitchell, Rachael Holt. Docteur Hanson Metzger, médecin de l'expédition. Léon Devries, ok. Ok. David Tambourin, Jonathan Weber. Et la Ritter. Je lis les noms, ne serait-ce que pour essayer de m'en rappeler. Si jamais j'arrive à me rappeler et me dire « Ah tiens, ce nom-là, machin !» Eva et Lucas Ritter, donc. Nicolas Mason et Yasmin Chabani. Salim Anachi, troisième fusil. Et Anastasie Trianon, dite Tazi. D'accord, donc Tazi, c'est Anastasie. Anastasie, c'est pas un truc médical, ça, l'Anastasie? Ou pas du tout, hein, peut-être pas. Hein. Enfin, c'est... Pensez à Anastasia, mais la même chose. Dessinatrice en ingénierie. On va arrêter. On va pas regarder toutes les images. Ok. Ah non, il y avait eu l'Odanam. Prends l'Odanam. Faut que j'arrête d'appuyer sur E. Hein? Mais non, il est vide. Il est vide. Je suis dégoûté. This is us. Salim and me. I brought this here. Salim Anachi, Tazi Trianon, août 1933, l'amour est plus fort que la loi. D'accord, oui, mais... What is it? I had something to say to you, whole speech, something poetic, but... You don't need to say anything. I know, it's just... I never thought this would happen. Any of this, you and me, I would never have imagined... Salim... There is no one I would rather spend my time with. Really? Really?
Stop worrying. I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Desi Trianon. I said no poetry. Ok, il y a un crayon là. Je prends le crayon. Ouais. Le crayon, je vais pas le jeter. Le crayon, non. Si je fais ça. Tac. Non. Au secours. Voilà. Moi, ouais, c'était ça que je voulais vérifier. Mais comment ça, du coup? Ah non, moi je veux tout, hein. Ça va être insupportable. Mais alors attendez, non mais parce que en plus. En plus le truc chelou c'est qu'on a eu l'autre souvenir, vraiment. Enfin il était là, donc il était juste à côté. Voilà, tout le seul truc, le seul indice qu'on a, c'est une main. Ou alors c'est pas dans l'ordre. Mais je pense pas. Parce que. Non, je pense qu'on a juste raté un des trucs. R pour allumer une allumette. Oui, bah écoute, on va peut-être attendre. Projet Jacques Noulama, Sadiola, client, compagnie minière de la Triple Couronne, dessinateur Anastasie Trianon, ingénieur Jonathan Weber, en 1937. D'accord. Donc ça, c'est nous qui avons fait les dessins. C'est trop bien. C'est trop bien, on a fait les dessins. Non, mais je vais pas allumer les bougies là. Les cons. Donc là, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qu'on doit connaître. Richard et Alex, octobre 1936. Enfin, ou en tout cas, au moins deux. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de te donner cette photo. Elle vous représente tellement bien tous les deux. GX. Ah, et d'ailleurs, sur la droite, c'est l'assistant et le contremaître, là. You'll be with us, and I'll take care of you. Come here. Hein? Non mais attendez, c'est pas possible qu'il y ait autant de trucs qu'on ait raté là. C'est quoi ça? C'est un marteau? D'accord, c'est un marteau. Tout doit disparaître. Non, j'ai pas envie d'allumer ça. Donc ouais, la bouteille de laudanum, tout ça, ça on s'en fout, on s'en fiche. Ah, des papiers. Plein de papiers partout. Ok. D'accord, bah au niveau du plateau d'Alger, visiblement, il y a un truc. Voilà. James Henry Mitchell, meneur de l'expédition. Non mais, au secours. Parce qu'il y a des gens, voilà, il y avait des noms barrés, genre Raquel, elle est barrée. Je sais pas pourquoi elle est barrée. Alexander Melville Sterling, Richard Fairchild, Dr. Anton Medière, Léon Devries, Jonathan Weber, Anastasie Trianon, elle était déjà là. Il y a pas Salim. Si, il y a Salim. Qui était guide, il était pas fusil. Troisième fusil. Donc Jonathan Weber, nanana, Eva Ritter, Lucas Ritter, Malik Tamboura, Salim Anachi, Nicolas Mason et Yasmin Chabani. Et c'est Nicolas Mason qui est aussi barré. D'accord. Tout est normal. Mais ouais, ils sont où les gens? On est censé avoir des amis, non? Ah. Radio portable pour 10 à 9 personnes. Voilà, pour 10, 9 personnes. Ration d'eau pour 2 jours, ration de nourriture pour 1 jour, corde, 3 fusils. Malik Mitchell de Vries, d'accord, donc oui, pour ces personnes-là. Une lampe à huile, 4 bouteilles d'huile pour lampe, 4 boîtes d'allumettes, papier, bois d'allumage pour le feu, carburant, carburant c'est pas sûr, 2 couvertures, un kit médical pour le docteur Medière, aiguille et fil, éther, ammonium, iode, laudanum, gaz, traitement contre les brûlures, gouttes pour les yeux, compresse adhésive, paire de ciseaux, 2 lames de scalpel, une boussole. C'est incroyable. Pour l'instant, je suis pas certain de la du côté capital des informations qu'on obtient, mais ça à la limite j'ai envie de vous dire bon. Du vin blanc.
ça s'est cassé. Je suis content. Anastasie, Trianon. Ah ouais, non, on voit du coup... non mais, au secours. Hey, I promise I won't bring this up again, but I know this won't be easy on you. First time out again, you know? So, you want a break? You want to get away from people? Any of that? Just say whatever you need. Alors, Anastasie Trianon, dessinatrice en ingénierie, papier pas nécessaire, nationalité française, au départ de Le Bourget. Tazi. Je sais pas vraiment comment aborder sa situation, elle s'en sortira sans doute très bien sur le terrain, ce n'est pas un voyage difficile, nous avons connu bien pire. Mais l'année qu'elle vient de passer a été un véritable enfer pour elle. Ah, l'appel qu'elle a reçu de Paris a vraiment l'air de l'avoir brisé. Ah. Je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de veiller, s'éveiller sur elle, lui donner de quoi s'occuper l'esprit. Je dois dire à Malik et Raquel de faire de même. Salim est là, aussi là pour elle, ça devrait l'aider. J'espère sincèrement que c'est de ça qu'elle a besoin. Que ça va l'aider à se reconstruire, que ça va les aider tous les deux. Ouais. Bon, il s'est passé un truc avec l'enfant, ou... Non ? Enfin, j'imagine, du coup. Mais peut-être pas que. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous les sons d'ambiance. On était bien, là. Au secours, je veux... Hein ? Non, mais... Te fous pas de ma gueule, je sais que je peux le soulever. Bon. Oh, ce bruit de verre cassé, là. Quel plaisir. Des vêtements. Super. Eva Ritter, géologue, papier allemand. Un visa sera nécessaire au départ de Habsbourg. Géologue engagé par la triple couronne. De bonnes références. Je lui parlais brièvement par téléphone. Très allemande, très précise. Accompagne Lucas, son mari. Dire à Raquel de prendre en compte leur situation pour le couchage. Ils voudront être ensemble. Eh oui. D'accord. Très bien. I seem to spend my life around efficient women who think I'm not taking things seriously enough. D'accord. Si tu le dis, Hank. C'est normal, la voiture? Et la poupée, d'ailleurs. Hein. Il est censé avoir un enfant dans l'expédition? Ah, c'est mes traces de pas? Pas du tout. My darling Oula. Amanda. Ah. By now, you'll know about the crash. And you'll know that our situation is a bit sticky. We're off for a walk through the desert to see if we can find a radio or a village or some other sort of help. Everyone's putting a brave face on it. But no one really knows what's going to happen. So maybe this is it. Maybe this is the last you'll hear. If it is, I'm sorry, my love. I suppose it's my fault for wanting a big adventure. I should have stayed home after all. Please tell them both that I love them. Tell Susan that she's the best girl in the world. And tell Alfie to look after his sister. Now I'm sitting here with tears in my eyes and my hands are trembling and I just don't know what to write. I don't know how to say goodbye. I can't believe this is goodbye. I love you, my darling girl. I know in my heart we'll see each other again. Even if it's not in this life. You're Jonathan. C'est bien troublé, hein. C'est... Tu sens l'émotion quand même dans la voix du mec. Bon, les souvenirs là... Souvenirs là, ça va pas, hein. Souvenirs là, ça va pas, hein. Non mais au secours. C'est quoi que je veux? C'est les notes. Non? Si? Peut-être? Liste des membres de l'équipage. Jonathan Weber. Mais alors du coup, je comprends pas. Parce que c'est le mec qui écrivait à sa fille, machin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'est passé quand? Ça se passe juste après le crash d'avion qu'on a eu là? Ou ça se passe... Ou ça s'était passé la fois d'avant? Ça, c'est pas clair. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, si, ils sont juste partis sans nous. Et pourquoi ils nous ont abandonnés? C'était quoi leur plan, là? Enfin bon, pour l'instant, c'est pas clair. Mais j'imagine qu'on en saura plus à plus tard. Numéro de passeport 09, nom de l'employé, Yasmine Chaban. Compagnie Sterling Shipping, carte d'identification, super.
Ah, ouais. What a beautiful girl. Is that your daughter? Yes. My father keeps nagging me for grandchildren. Did you leave her in Paris? Yes. Is she with her grand... Yasmin, I'd like to check the Sadiola samples are packed up. Give me a hand. Of course, Mr. Mitchell. Sorry, Hank. Mmh. Ouais, non, mais il arrive un truc à la fille, c'est pas possible. En plus, elle est à Paris. Et comme par hasard, elle a reçu un appel de Paris qui l'a détruite. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Donc là, on a vu ce côté-là. Très bien. Au secours. To those who follow, I am Salim Hanachi. I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. I and others were injured. We stayed while the rest of the crew went for help. My companions are dead now, and the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. I must go after the crew as best I can. They followed the path through the mountain. I will leave signs. Tazi, if I do not find you, and by some chance you are reading this, know that you are my heart. Mais, alors ça confirme du coup que c'est bien là qu'ils se sont crashés, donc là les notes qu'on récupère c'est des notes de maintenant, après le crash. Mais il s'est écoulé combien de temps? Comment ça se fait qu'on soit là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé un truc qui ont fait qu'ils ont décidé de nous laisser dans l'avion? Et en fait, on s'était réveillé au moment du crash, et c'est pour ça qu'elle disait « Ah mais si, j'étais là, machin, ah, je crois, hein ?» Peut-être, hein. Peut-être. Bah ouais, mais voilà, ça par contre... pourquoi tu m'as pas attendu, petit bâtard? Surtout quand tu dis qu'il y a une créature dans les trucs dans le coin. Ah bah, super. Bonjour. C'est qui? C'est une allumette pour allumer les lampes. Ouais, non mais, je pense. Ah bah... Salim. I'm sorry. Without Lucas, I cannot bear it. The rest of you? This is not Salim's fault. I am of sound mind. Eva Ritter. D'accord. Mais... Alors attends, excuse-moi, c'est pas le but... Secours. Récupère ça. Le but n'était pas de marcher sur son cadavre. Elle s'est suicidée au laudanum? Really? Ah, et du coup, j'imagine que Lucas est là. Ouais. Lucas, I think. Ouais, voilà. Eh ben, c'est gay, hein, tout ça. Ça commence bien, hein. C'est vachement sympa. On était avec un équipage, on s'entendait bien, on avait nos potes, machin... Et visiblement, je peux creuser? Vous croyez que je peux creuser? Attendez, hein. Attendez, j'essaie de creuser. Au secours. Au secours! Je veux creuser. Bon, ça marchera pas. Superbe. Bah écoute, rip. Rest in peace. Ah! Oh putain. Ah! Évidemment, alors je vous avoue que moi, mes connaissances en allemand, elles n'existent pas. Tout ce que je sais dire, c'est Guten Tag. Je crois que c'est Guten Tag, je crois que c'est bonjour, mais je suis même pas sûr. C'est merci. Et je sais, attendez, et Ich liebe dich, je crois que c'est je t'aime en allemand, hein, si je dis pas de conneries. Mais je suis même pas sûr. Donc voilà, West East Die Welt so still. Ouais. Ah non, mais j'y comprends rien. Voilà, je vous mets le texte. Hein, voilà, vous avez... Ah ouais, on part sur du grec après. Oh, mais je suis. Y'a pas du latin aussi au milieu? Dominus dominé là? Non, 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 non. Non, par contre, Gott, la bêta, c'est Uns dein L, Schoen. Ah non, peut-être que c'est de l'allemand. Je savais pas si... Il y a la lettre bêta en allemand. Peut-être, hein, je savais pas. Weikinder. Ouais.
Non, mais je comprends. Je vais pas faire genre, je connais pas la trad de ce truc-là, donc voilà. Mais, bah écoutez, si vous savez, n'hésitez pas. Hein. Et du coup, elle s'est suicidée. Cold. Oh, shit. Ouais, je me demandais ce que je pouvais faire. You are Eva. Oh, I'm so sorry. C'est contrôle, ça. Mais quoi? Hein? Ah oui, d'accord. Donc, attendez. Au secours. Là, là, je suis accroupi. Et là, je suis en position fœtale. Là, je suis caché. Attendez, vous êtes plus difficile à cerner, j'imagine. En tout cas, c'est gay pour l'instant. À ceux qui suivent. Oui, non, mais c'est bon. Très bien. Ouais, en fait, voilà. Donc, pour l'instant, ça limite en vie. A priori. Mais, pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres qui sont en vie. Comment je fais? J'appuie sur R. Les allumettes peuvent servir à éclairer certains endroits, des endroits obscurs ainsi qu'à allumer des torches et autres lumières en interagissant avec. D'accord. Ok. Donc là, j'ai allumé ça. Mais, si vous dépassez 3 avec une allumette en main, elle s'éteindra. Ok. D'accord, bon, je sais pas pourquoi j'allumais ça, hein. Au final. J'ai pas de lumière, hein, sinon, à part les allumettes. Hein. Oui. Ah, ça, c'est la créature, ça. Ça, je reconnais, c'est la créature. Non, mais je vais pas allumer tous les trucs que je vois. Faut pas arrêter de déconner au bout d'un moment. Ah, c'est le... C'est... Ah bah si, j'allume, allez, vas-y. C'est le symbole bizarre, là. C'est le Cthulhu, mais le Cthulhu d'ici. Salim. Bon, Salim, par contre, il avait dit qu'il laisserait des indices. Salim, we have a problem. Ah non, bah non. I went to see Monsieur Esperandio at the market, but he has no more work until next week. I know that Tazi has savings, and I know that something will come, but it is hard. It is not just two of us now. I want to know that I'm keeping them safe. Oh, c'est marrant, j'ai la trad du coup pendant qu'il le lit, je regarde à côté. C'est bien fait. D'accord, oui, parce que j'allais dire. Bon, déjà il y a le truc de la fille, de l'autre petite fille, de Alice. Si vous ne trouvez pas de source de lumière, vous pouvez appuyer sur R. Je suis pas sûr que. Soit une bonne idée, elle a dit. Attends, si elle a dit que c'était pas... Faut peut-être pas trop que je reste dans l'obscurité. Vous savez, Amnesia, c'est un jeu... T'as une notion de santé mentale aussi. Donc, Ah, par contre, ça y est, hein. Là, on commence à... Oh là là, non mais regardez-moi ces ténèbres. Ah bah il y en a plusieurs. Oh bah oui. Allez ous, allez ous. Allez, on s'en va. Je peux vous écraser? Je peux les écraser? Non, je peux pas. Non mais regardez-moi ça, on n'y voit rien. Rester dans l'obscurité sans source de lumière augmentera votre peur. D'accord. Ah oui, on voyait les symboles. Ok, donc les fameux symboles. Ouais, mais après moi j'ai ma vision de chat qui s'active. J'ai la vision The Witcher après. Ouais, non mais retourne à la lumière. Ok. On va attendre qu'il n'y ait plus trop de marques. Parce que là, je les vois, les petites marques là en bas. Hein. Vous les voyez, les marques de ténèbres là? Moi je les vois. Hein. Le problème c'est que... Ah oui d'accord, super, le seul endroit où je décide d'aller, il y avait rien. Mais quoi? Oh, j'utilise tellement d'allumettes. C'est pas ouf.
Je cherche les endroits où je peux mettre de la lumière. Appuie sur espace pour sauter. Ok, c'est par là. Ah, je l'ai allumé au just frame. Je suis content. Et ça, c'est pour éteindre. C'est complètement con. C'est complètement con de faire ça, quand même. Complètement con de proposer cette interaction. Ah, une note. She's sleeping now. Maybe dreaming, curling and uncurling tiny fingers. I sit here, looking at her, and I still can't believe this. How can I deserve it? Any of it? Bah écoute, bientôt t'auras plus à te poser la question, au final. Ah, sa race. Ok, je sais pas ce qui se passait, mais... Je vais me faire détruire, je vais me faire tuer en fait. Au secours. En fait, je vais me faire détruire par ma propre santé mentale, c'est ça? Non mais regardez-moi toutes les marques qu'on a là, ça commence à devenir un peu chaud. Oh, y a de la lumière là. Ok. Comment ça se passe pour les sauvegardes? Ok. Ah. Sainte Mère, entendez ma prière. Si tu veux. Ouais. Yes! Ah, oh, je suis toujours... C'est tellement satisfaisant. Alors après, je suis en train peut-être de profaner des trucs, là. Hein. Donc peut-être qu'il faut pas que je fasse ça, hein. Et peut-être que là, je suis en train d'énerver les démons. Mais j'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près, hein. Libérer la bête. Alors, vous voyez, mais en fait, c'est tout bête. C'est ce que je disais dans le dernier épisode que j'ai tourné, là, de Son Goa Fora. Non, mais faut arrêter avec les bruits, par contre. Terrible. Mais c'est vrai que tout de suite, là, on est dans un FPS... Je sais pas, je suis un peu plus rassuré. Après, il y a le fait que là, la mort n'est pas écrite comme définitive. Et pour l'instant, on n'est pas sur des gros trucs très flippants, on va dire. Pour l'instant, on n'est pas encore sur du gros stress. Mais on s'en rapproche, hein. Mais faut bien avouer qu'on... Faut bien avouer qu'on s'en rapproche. Hein. Tu peux ? Sinon, on voit que tout loup partout, ici. Hein. Voilà. Voilà, super, donc c'est par là. Ah, j'ai plus beaucoup d'allumettes. Mais non! Merci. Ah, Lucas Ritter, deuxième fusil, papier allemand, un visa sera nécessaire au départ de Hambourg, Lucas, deuxième fusil, Marie d'Eva, engagé par la triple couronne, allemand, c'est tout ce que je sais. Ça me plaît pas. Un homme armé que je ne connais pas dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Lui parler à Alger, essayer de le cerner pour savoir s'il va tenir le coup. Spoiler, non. Il va pas tenir le coup. Et du coup. Yeah, we had a drink. He's okay. Just a bit quiet because his English ain't great. Absolutely head over heels for his wife. Cold fish that she is. Visiblement, c'est un amour réciproque. En tout cas. Je ne vais pas du tout tomber. C'est bon. Ouais, 6 allumettes. 6 allumettes, c'est un peu chaud quand même, non? En réalité. Bon, je suis sûr que j'ai raté plein de trucs, hein, que ce soit des documents, des souvenirs, etc. Mais écoutez... Après, c'est une découverte du jeu, quoi. C'est scripté, rassurez-moi, c'est scripté. Mais quoi? Mais lutte. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse là. Au secours. Ça par contre c'est stressant. Ça par contre j'avoue que c'est une phase que j'apprécie pas des masses.
Ah, et regardez-moi ça. Les visions dérangeantes et l'obscurité montrent votre plan, mais les laissez pas monter. Ne la laissez pas monter trop haut. Je crois que c'est mort, là. Censé faire quelque chose. J'ai perdu. C'est normal. Je comprends rien. Non, c'est scripté. C'est... Ouais, c'est d'accord. J'ai cru que j'étais mort, hein, au début. Je vous avoue. What the hell is wrong with me? C'est juste un collier et un bracelet standard. C'est juste une petite déco. Ouais, ouais, la laissez pas monter trop haut. How did I get here? What did I do? Ok. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. It's gone now, completely. On va s'arrêter là du coup pour cet épisode numéro 1 de Amnesia Rebirth. J'espère que ça vous aura plu. On continue donc la prochaine fois, hein, tout simplement. Donc je sais pas comment ça va se passer au niveau du rythme, au niveau du format, etc. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si je vous mettrai un truc brut ou un truc cuté, etc. Pour l'instant. Voilà. Bref, en tout cas, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que le jeu veut raconter, comment il va le raconter. Et puis bah voilà, en vrai, il y a des petits moments là où déjà je commence à pas être serein. Donc bon. Enfin, je pense que je vais moins avoir peur d'avancer que dans Song of Horror, si vous voulez. Déjà, ça, c'est bien. Après, ceci dit, on n'est pas... Là, ils vont nous mettre une mécanique pour se cacher, puis je vais revoir Outlast 1 et 2 défiler devant mes yeux. Et ça va être terrible. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.